Salut les amis du Ciné Club, nouveauté sur la chaîne. À l'époque où l'on ne parle quasiment plus que de Netflix, Disney+, le streaming, etc., j'ai pensé que malgré notre toute petite audience, il serait chouette et quand même un peu important de parler également de nos fameux supports physiques, nos fameux collectors qui ont fait notre bonheur, en tout cas à moi depuis des années et des années. Il est pour moi très important de les remettre en valeur quand les maisons d'édition se donnent la peine d'en ressortir un et de revaloriser un film ainsi à sa juste valeur. Nous allons commencer aujourd'hui par une édition collector donc qui vient de sortir il y a quand même déjà 6 jours au moment où l'on fait cette vidéo. Je l'ai reçue tout frais ce matin, elle a été vachement retardée ici à Bruxelles. Donc je l'ai reçue ce matin, elle est encore cellophanée et je me suis dit que j'allais la découvrir en même temps que vous les abonnés pour notre première vidéo. Donc voilà, il s'agit du coffret Les Goonies. Donc je vais le déballer devant vous. Voilà, le fameux coffret. Donc au premier abord, déjà le format, je m'attendais quand même à un coffret plus grand. Quand on voit la photo sur Amazon, on s'attend à une fameuse, comme on dit, une fameuse cartache. Mais bon, ce n'est pas encore un défaut puisque nous collectionneurs, nous savons que notre problème principal est la place, l'espace. Donc ici, c'est vraiment grandeur, j'ai envie de dire, format Blu-ray quelconque. Donc la première chose qui me plaît déjà, c'est ce petit côté relief sur la pochette. Donc le fameux trésor des Goonies. On le ressent bien au toucher. Ce n'est pas un slipcover. C'est un beau petit digipack qui s'ouvre donc, voilà, il s'ouvre donc, ça ici je vais aussi le retirer pour voir un peu l'arrière, ce que ressemble l'arrière, oui donc on est toujours dans le même format, fameux coffre. Alors que réserve ce coffre? On parle d'une superbe carte au trésor et c'est la première que l'on a dès que l'on ouvre. Voilà la fameuse carte au trésor, ça on va le mettre ici de côté. J'espère qu'elle n'est pas trop petite. Oh ben non, là elle est peut-être même échelle 1 sur 1 par rapport à celle du film. Oui, quand je lis, elle est écrite en espagnol comme dans le film. Il me semble qu'elle est quand même très fidèle à celle du film lui-même. Il manque peut-être les fameuses notes de musique, mais qui étaient à l'arrière. Oui, effectivement, elles sont ici à l'arrière. Donc, assez fidèle. Assez fidèle à la carte originale. Il faudrait que je la lise plus attentivement. Mais bon, là, enfin, Andrés va faire un beau petit gros plan là-dessus. Qu'est-ce que nous avons encore? Oui, voilà, là on a, j'allais vous dire des pins, mais bon, on va parler comme à l'époque, le langage des Goonies, hein, le langage années 80, ce sont des batchs que l'on avait l'habitude de mettre sur nos jeans, voire nos vestes en cuir. 5 batchs, assez sympa, vous les découvrez également, et on en arrive, je pense, à la pièce maîtresse, donc le film qui est en jaquette donc en acier, assez belle, assez sympa. À l'intérieur, je suppose le 4K Blu-ray. Ah, il y a une autre surprise. Oui, ça,
ce qu'on appelle un patch. À l'époque, en tout cas, c'est ce qu'on pouvait mettre également sur nos vestes. On avait l'habitude de se le faire coudre par maman ou repasser à chaud. Oui, je pense qu'on pourrait encore le repasser à chaud. Il y a la fameuse partie blanche derrière. Assez sympa, mais bon, un peu petit. Grandeur quasiment comme les pins, quoi, comme les badges. Pas très grand. Et puis, on en arrive donc au fameux 4K et au Blu-ray. On croise les doigts pour que le fameux support 4K rende justice au film, qui retranscrive à sa juste valeur la qualité d'image, parce que jusqu'à présent, aussi bien son support DVD que Blu-ray m'avait assez déçu. Il y avait deux films comme ça qui m'avaient vachement déçu niveau qualité d'image. C'était les Goonies et les Gremlins. Malgré le passage à la haute définition, ça n'a jamais vraiment été ça. Donc on espère que le 4K rende justice au film. Je suppose que le Blu-ray est exactement le même que l'édition précédente qu'ils avaient fait, l'édition collector. Donc voilà. Et je regarde s'il y a autre chose. Non, et c'est tout. C'est tout. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire que pour le prix, c'est un peu peu. Je l'ai payé, je pense, 44 euros. Si on imagine que le coffret cover metal tourne autour des 27-28 euros, je n'arriverai même pas à 30, plus la carte au trésor, les pins et compagnie. Moi, je trouve que le prix juste aurait été 39,99. On aurait dû flirter avec la barre des 40. J'ai envie de dire qu'il y a 5 euros en trop pour moi dans cette édition. Mais bon, si vous possédez encore les anciennes, voire juste le Blu-ray, ça vaut encore la peine de se le faire, parce que bon, c'est assez bien présenté. C'est chouette. Et puis, il y a mon petit coup de cœur à moi, cette fameuse carte au trésor qui semble être à l'échelle 1 sur 1 par rapport à celle du film. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a le 4K que l'on espère assez lumineux et assez beau visuellement. Donc, voilà, bien joué de la part de la Warner de nous relancer les Goonies dans une édition digne de ce nom. D'autres devraient en prendre l'exemple. Je pense notamment à cette version de Forrest Gump qui me reste toujours au travers de la gorge. Vous pouvez la trouver en suggestion et ici au-dessus. J'avais vraiment été très 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 déçu qu'un film comme Forrest Gump ne soit pas récompensé à sa juste valeur niveau collector. C'était vraiment pas digne d'un collector. Ici, il y a pas grand chose, mais j'ai envie de vous dire que c'est un joli clin d'œil. Un clin d'œil un peu cher, j'insiste là-dessus, ça aurait dû être en dessous des 40 euros, c'est légèrement au-dessus. À vous de voir, moi j'ai tellement adoré le film. Et puis, je le redis, cette carte au trésor me plaît énormément. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que l'idée vous plaît. Vous pouvez nous laisser votre avis juste en dessous, un gros like. Et bien entendu, vous abonner, entre tous, on doit tous essayer que nos chers supports physiques continuent à embellir nos jours pendant encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. À très bientôt pour d'autres vidéos. Salut, ciao.